La Terre connaît un pic magnétique tous les 20 ans à la même date. Le premier pic magnétique du XXe siècle a eu lieu le 12 août 1903. Ces pics magnétiques harmoniques permettent l'ouverture naturelle brève des portes interdimensionnelles autorisant des passages interdimensionnels. Ils sont appelés pics magnétiques harmoniques car ils permettent l'harmonisation et l'alignement des premières, deuxième et troisième dimensions de chaque densité. Par exemple, densité 1, 4 et 7, 10 et 13 pour les premières dimensions de chaque densité, et ainsi de suite pour les deuxième et troisième dimensions. C'est une occasion unique pour les états de s'infiltrer en masse dans notre densité et de pouvoir activer leur barrage fréquentiel, impulsion électromagnétique, ne permettant pas l'activation des quatrième et cinquième brins d'ADN, donc l'ascension en deuxième densité. L'expérience de Philadelphie a eu lieu le 12 août 1943, date de pic magnétique, 40 ans jour pour jour après le premier pic magnétique. Et l'expérience de Montauk a eu lieu donc le 12 août 1983, date de pic magnétique. Voilà. Pour reprendre l'expérience de Philadelphie, que nous ne développerons pas car beaucoup de documentations sont déjà disponibles sur le net, et sur l'expérience de Montauk, liée poursuivant le même but que celle de Philadelphie, a déjà été publiée à ce propos. Voici juste un petit aperçu. L'utilisation de certaines technologies dont les effets que les États attendent ont été cachés. Par exemple, la prétendue technologie de l'invisibilité des navires pour les USA, en ce qui concerne l'expérience de Philadelphie en août 1943 sur le bâtiment navire USS Eldridge. Ceci a permis aux États de causer une rupture dans les fonctions naturelles du Merkaba de la Terre. Ces technologies données leur permettent d'agir en tant que cheval de Troie. Ils n'auraient pu y arriver sans l'aide des humains, car n'étant pas implantés sur Terre et devant recevoir la coopération des humains, enfin plutôt des Illuminati. En fournissant des technologies rudimentaires pour eux et en cachant les véritables buts et effets, en disant aux alliés ainsi qu'ils gagneraient la guerre. Ici, l'invisibilité met l'expérience à tourner court d'ailleurs, il existe par ailleurs un film sur ce sujet. Les États ont pu occasionner une déchirure dans l'espace-temps ou dans les Merkabas naturels multidimensionnels de la Terre, des formations artificielles des Merkabas autorisant des passages nombreux de leurs vaisseaux de D4 où ils se situent en D2. De là, ils ont pu envoyer leur barrage fréquentiel spécifique énoncé précédemment en D1 au cœur de la Terre. Ils savaient aussi qu'un tel barrage fréquentiel allait causer un renversement des pôles et des cataclysmes, dû à la répulsion artificielle causée par les États entre dimensions harmoniques. Ils pourraient repeupler la Terre avec leurs hybrides. En 1952 et 1968, les scientifiques sur Terre commencèrent à noter d'importantes anomalies de l'activité solaire qui risquaient d'entraîner une accentuation de l'inclinaison de l'axe terrestre et un renversement des pôles. Bien que cette information n'ait pas été largement divulguée, il y a eu quelques publications, surtout après 1968, où les scientifiques avaient calculé que si ça continuait ainsi, il y aurait une explosion immense dans le Soleil en 1972. Le 7 août 1972 jusqu'au 10, les explosions solaires commencèrent. Les scientifiques observèrent une rapide augmentation des vents solaires, événement d'une ampleur jamais répertoriée par les scientifiques contemporains. Et d'un seul coup, le 10 août, ils observèrent une rapide diminution de ces vents qui dura un mois. Ça a été une observation qui a laissé perplexe la communauté scientifique et ils n'en ont pas d'explication, même rationnelle, mot employé d'ailleurs stupidement aujourd'hui car beaucoup de choses sont dites irrationnelles car elles ne rentrent pas dans le monde formaté de ce qui est admis mais parfaitement rationnel d'un autre point de vue perceptuel et analytique. En fin de compte, ce sont les gardiens qui sont intervenus. L'expansion du Merkaba en D1 aurait causé la transmission d'une vague intense d'ULF, Ultra Low Frequency, onde basse fréquence en français, provoquant l'implosion de toutes les structures moléculaires avant que l'ADN puisse s'activer suffisamment rapidement pour les assimiler. Les gardiens ont donc retiré du champ morphogénique de toutes les planètes du système solaire les fréquences en D1 correspondant aux fréquences de l'ULF. Ensuite, un saut fréquentiel fut placé en D4 pour bloquer les fréquences de cette dimension et les empêcher de pénétrer sur Terre.
11 des 12 fréquences spécifiques électriques et 11 des 12 fréquences spécifiques magnétiques constituant des 4 furent retirées du champ terrestre. Les gardiens l'ont appelé barrière fréquentielle 11-11-12-12. Ceci a été largement repris et falsifié, notamment par Crieon, nous y reviendrons une autre fois. Entre 1973 et 1980, la Terre est restée sous les insertions holographiques et l'illusion de stabilité créée par la barrière fréquentielle des gardiens. En fin de compte, la vague intense et meurtrière du LF, onde basse fréquence, a bien circulé dans tout le système solaire, mais n'a pas été perçue holographiquement sur Terre et n'a pas causé de dommages. Survint ensuite l'expérience de Montauk, ils ont de la suite dans les idées, et la fameuse année 2003, et surtout le pic magnétique le 12 août, mois d'une canicule extraordinaire où le temps semblait comme figé, lié à ce pic magnétique. Si on lit par exemple le site ZetaTalk, site qui fournit de l'information en provenance des États, il est frappant de constater comment ils anticipaient un renversement des pôles en 2003, initié sciemment par leurs expériences et les conseils qu'ils donnaient aux survivants, mais rien ne s'est passé à cause encore d'une intervention des gardiens au grand désappointement et incompréhension des États. En fin de compte, tous les ans, entre le 7 et le 16 août, un pic magnétique a lieu, dû au fait que le Merkaba terrestre atteint durant cette période, et spécialement le 12 août, sa vitesse maximale de rotation des deux tétraèdes le composant. Mais un pic exceptionnel entraînant les conséquences dimensionnelles précédemment décrites a lieu tous les 20 ans, et parmi ces pics exceptionnels survient le plus fort pic magnétique une fois par siècle, 1903, 2003, etc. 2003 était de ce fait une année cible pour beaucoup. Même si les États ne représentent plus réellement une menace maintenant, comme au XXe siècle, ils ne cherchent qu'à résoudre leurs problèmes importants de survie et de régénération génétique, étant quasiment dépourvus de sentiments et de conscience.